Mesdames et messieurs, donc bien le bonjour en direction de Bercy. Nous allons donc vous faire vivre un petit peu le festival d'arts martiaux qui va se dérouler donc ce soir. C'est un plaisir de vous mettre dans l'ambiance. Et pour vous mettre dans l'ambiance, il est important de savoir qu'à Bercy se passe énormément de choses. Et pour commencer, donc regardez donc l'installation. Ce qui est important, mesdames et messieurs, c'est de pouvoir y être. Et donc on vous fera vivre ça convenablement. Vous savez que ça vaut vraiment le détour. Nous y allons. Donc je suis avec Monsieur Freddy Derby pour PDZM Radio. Donc à tout à l'heure. Au revoir. Allez,
toujours plus haut. Si on peut vous tuer avec la salle, on vous donne la salle. C'était le Taïk Beto, il mérite un tonnerre d'applaudissements. Il mérite un applaudissement pour le monde de l'appartement à la bouche, toujours aussi spirituel. Nous avons parlé tout à l'heure justement d'arts martiaux. Merci. Nous sommes avec donc un homme que nous pouvons poser des questions. Va nous dire exactement ce qu'il fait ici, pour se présenter et donner envie justement à ceux qui nous écoutent de pouvoir découvrir ce sport. Alors vous êtes monsieur ? Alors je suis Franck Ropers, je suis ceinture noire 7e dan, donc haut gradé européen en pentax silat. Donc il s'agit d'un art indonésien et malaisien, très ancien, qui a la caractéristique de pouvoir se défendre contre-attaque à main nue et avec arme contondante ou blanche. Alors concernant justement cet art, on dit qu'il y a une certaine maîtrise, mais aussi c'est un art où apparemment qu'il faut savoir rester zen pour pouvoir étudier l'autre. Est-ce que justement il y a ce paramètre au niveau de ce. Oui, effectivement. Le premier paramètre, c'est qu'il faut déjà se connaître ses capacités psychologiques et physiques pour pouvoir effectivement peut-être mettre hors d'état de nuire quelqu'un. Si on ne se connaît pas, forcément on aura un problème lié à la confiance. Et on sera déjà en difficulté, on sera déjà en niveau psychologique, en défavorable en combat. On voit souvent d'avoir des gens qui perdent le combat avant d'avoir commencé. Parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux. Donc on travaille déjà sur soi avant de travailler sur eux. D'accord, donc effectivement c'est l'apprentissage de l'être, apprendre à mieux se connaître pour pouvoir mieux et étudier l'autre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui nous attend ? Qu'est-ce qui va être présenté ? Alors là je vais faire une démo, on va dire exceptionnelle, puisque c'est le record de Bercy. Je suis venu avec plus de 110 participants. Jamais fait, donc je suis venu, j'ai 45 écoles dans le monde et je suis venu avec une quinzaine d'écoles, mes meilleurs représentants. On va faire une démo de groupe, on va faire une démonstration avec des binômes, donc des élites, on appelle des élites, donc des très hauts niveaux. Et à la fin je finirai avec une démonstration, là je suis en Hitman, où en fait je vais transposer les arts martiaux self-défense extrême pour le cinéma. Voilà. D'accord. Et on parle de festival. Et est-ce que ça se fait chaque année ? Oui, alors ça c'est le 31e. D'accord. J'ai fait beaucoup et tous les ans on renouvelle les bandes. Il y a ceux qui reviennent régulièrement, c'est les têtes d'affiche comme on dit. Et en fait, il y a diverses disciplines qui sont réunies, divers pays, divers niveaux. Voilà, on se retrouve tous comme ça pour une grande fête. Vous parlez en fait un peu d'être dans le monde, est-ce que vous êtes accessible sur la région parisienne ? Alors, moi je déconne en région parisienne, je suis accessible. J'en ai un peu partout en France. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner au moins même un lieu où on peut éventuellement. Alors à Paris, j'ai une salle, on va parler de Paris par exemple, là où il y a plus de monde, Paris 15e arrondissement, près de la Tour Eiffel, il y a le 12e arrondissement, le 14e, Porte de Montreuil, voilà, il y en a encore d'autres, les principales, c'est ça. Voilà mesdames et messieurs, vous voyez, donc on vous donne la possibilité, l'envie de pouvoir découvrir les sports dans toute leur généralité, mais apprendre à mieux se connaître pour mieux découvrir le sport dans toute cette généralité dont je viens de parler. Donc, je vous remercie énormément et puis au plaisir donc, de découvrir tout à l'heure donc, les exploits, l'expérience dite sur le terrain. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Tu peux. Alors vous savez qu'on continue ce petit parcours pour faire vivre ces moments formidables. Je suis avec M. Yoshino et bonjour. Bonjour. Eh bien écoutez, vous savez que comme nous sommes sur Bercy, on ne connaît pas forcément sur les sports, oui. On a envie justement de découvrir, de faire vivre un petit peu ce que vous faites comme sport. Voilà, sport, ça veut dire kendo. Voilà. Kendo c'est avant samouraï, forêt, sable. Avec le combat, quelqu'un normalement au combat va vraiment tuer hein, avec le sable, un samouraï. Mais maintenant, 20e siècle, bien sûr, avec la bière et tout, ça c'est comme ça, et avec le casque, d'accord, tout, avec le shinai, ça veut dire avec le bambou. Ah, ok, d'accord. Voilà, okay. Ça c'est. Voilà. Mais par contre, cet sport, vraiment, petit à petit, c'est l'intérieur.
vraiment de quelque chose de samouraï. C'est la méditation. Voilà, ça c'est exact. Est-ce que c'est un sport ancestral? Ça fait longtemps que ça dure. Ah bah oui, oui. D'accord. Voilà, moi j'ai 75 ans. Oh, super. Voilà, 75 ans, mais encore 3 fois par semaine, je fais du kendo. D'accord. Voilà. Est-ce que vous exercez ce sport, comme je dis, un sport que l'on aime bien? Ah, j'aime bien, très bien. Pourquoi? Parce que c'est un sport comme le chemin de la vie. Ah d'accord. Voilà, vraiment difficile la vie, mais quand on a quelque chose, continue, on n'y arrive pas. Quelqu'un, on n'y arrive pas, mais quand même petit à petit, on arrive pour la vie. Chemin de la vie. Donc c'est un sport qui vous donne la possibilité de découvrir le goût de l'effort. Voilà, exactement. D'accord. En tout cas, donc ce soir, qu'est-ce que vous allez nous présenter donc, à Bercy? Voilà, Bercy, nous avons 10 personnes. Je fais des kata, ça veut dire position, bien expliquer, de technique. D'accord. Et après, mettez casque, tout, et combat. D'accord. Combat. Ah, voilà. Écoutez, c'est super, nous, de toute façon, nous allons venir dans la salle pour suivre ça. Oui. Il est intéressant pour nous de découvrir ces facettes de sport qu'on ne connaît pas, et donner envie à ceux qui ont envie de faire un choix de sport, oui, pour pouvoir au moins trouver leur intérêt dans tout ce que vous avez à nous expliquer. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup, oui, monsieur Yoshino. Voilà. Et à bientôt. Voilà, à bientôt. Merci. Voilà.